Chers frères et sœurs, la Bible parle du péché impardonnable, alors que Dieu est amour infini. Est-ce qu'il y a donc un certain antagonisme entre le fait que Dieu soit un amour infini, un amour qui ne finit pas, et qu'il y ait un péché qui soit impardonnable? Nous allons essayer de répondre à cette question. Il faut d'abord chercher à savoir de quel péché s'agit-il. Chers frères et sœurs, parce que beaucoup d'hommes ne s'imaginent pas combien il est facile de nos jours de pécher mortellement, c'est-à-dire le péché qui ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce qui est en fait impardonnable, c'est ce qui va contre le sens de la vie, car Dieu est vie et il a donné par l'Esprit, comme il est dit en Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Or Jésus était habité par l'Esprit de Dieu et par la puissance de l'Esprit. Le contexte se trouve en Marc chapitre 3. Jésus guérit un homme à la main sèche le sabbat. Alors les jaloux et les ennemis s'en prennent à lui. Et on peut donc lire en Marc 3 au verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Béelzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut non plus subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Et c'est dans ce contexte de dureté des cœurs, de méchanceté et de blasphème des scribes que Jésus prononce les paroles que l'on retrouve parallèlement en Matthieu chapitre 12 verset 31 à 32, en Marc chapitre 3 verset 28 à 30 et en Luc chapitre 12 verset 8. Et ce sont ces paroles qui constituent le péché impardonnable. Donc vous voyez, cette histoire du péché impardonnable a un certain contexte. Ce n'est pas que Jésus se lève et dit que il y a un péché impardonnable. Non, il y a un certain contexte qui conduit à ce péché. Et c'est ce contexte que nous venions de lire tout à l'heure là, en Marc chapitre 3. Jésus a fait du bien, mais les gens ne voient pas le bien. Les gens regardent le fait qu'il a fait le bien le sabbat, parce que le sabbat était une journée sacrée. Or, on sait d'après l'enseignement de Jésus que Jésus dit que le sabbat n'est pas fait. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Donc, quand on fait du bien, le bien c'est le bien puisque Dieu est amour. Or, les pharisiens et les scribes cherchaient seulement un motif d'accuser Jésus. Et c'est ce donc qui a conduit à cette situation. Bon, on va donc lire parallèlement ces versets où il est prononcé que le péché est impardonnable. On lit d'abord en Matthieu 12, verset 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc voilà, ça tombe. C'est la Bible même qui dit que le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Verset 32 qui dit:
Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bon, nous allons lire les trois versions de ce péché impardonnable en Matthieu, en Marc et en Luc. On a lu Matthieu, on en vient en Marc maintenant. Marc 3, versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. On dit bien ici, jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Vous entendez bien, un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Il est possédé d'un esprit impur, c'est ce qu'on venait de lire là en Marc, là au chapitre 3. Bon, lisons aussi les paroles exactes qui sont de la Bible et qui sont écrites en Luc, verset 12. En Luc chapitre 12, versets 8 à 10. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Or, frères et sœurs, méfiez-vous de ce que vous dites. Ne jugez pas. Cette condamnation est venue du jugement. Jésus commet un bon acte. Les pharisiens et les scribes qui ne pouvaient même pas voir plus loin que leur nez, qui étaient aveugles, qui ne pouvaient pas voir l'Esprit de Dieu qui repose en Jésus, ils se permettent de critiquer. Pour rien. Un jugement aveugle. Et c'est de ce jugement aveugle qu'est venu ce péché éternel, ce péché impardonnable, ce péché qui ne sera jamais pardonné. C'est un jugement aveugle. Donc quand vous jugez, quand on vous dit ne jugez pas, Dieu ne peut pas toujours donner les détails parce que Dieu connaît. Dieu voit tout, Dieu voit ce qui vient. Quand on vous dit ne jugez pas votre prochain, quand vous le jugez, vous ne savez pas qui vous jugez. Peut-être que votre voisin, votre prochain est habité de l'Esprit Saint et l'action qu'il fait est au-dessus de votre entendement. Quand vous le jugez, ce n'est pas lui que vous jugez l'Esprit Saint de Dieu, c'est peut-être l'envoyé de Dieu que vous êtes en train de maltraiter, que vous êtes en train d'assassiner, que vous êtes en train de proférer des paroles. Non! C'est directement Dieu en ce moment. Donc, ne jugez pas. C'est pour ça qu'il est facile de commettre ce péché impardonnable. On va lire en Romains, chapitre 14, verset 17, où il est dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ce qui est du royaume de Dieu l'est par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand vous blasphémez le Saint-Esprit de Dieu, qui est même l'essence de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, c'était en Zacharie 4:6, où il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous voyez donc combien il est facile, ce que nous prenons des fois à la légère. Nous allons lire un autre verset, et c'est en 1 Thessaloniciens 4:8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que quand vous jugez, vous ne savez pas. Vous jugez peut-être quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui ressort un peu ici en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8.
où il est dit, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. » Donc, ce, pour conclure un peu, hein, on a vu déjà ce que c'est que la Bible nous dit, ce que c'est que le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. On l'a lu, on a vu dans quel contexte Jésus a prononcé ces paroles. On a vu en Matthieu chapitre 12, en Marc chapitre 3 et en Luc chapitre 12, respectivement, les versets 31 et 32, 28 et 30. Et le verset 8, on a donc vu que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable, c'est le péché éternel, c'est le péché qui ne sera point pardonné. Et on a aussi vu quelques versets, pourquoi cela? Hein? Par exemple, le verset de Zacharie, hein? Zacharie 4:6, qui dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel Dieu des armées. Et on a aussi vu le verset de Romains 14 qui dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas par le boire et le manger, mais c'est par la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Tout comme en 1 Thessaloniciens 4, verset 8, hein, qui dit que celui qui rejette les préceptes de Dieu, ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu, qui a aussi donné son Esprit Saint. Hein? Donc, pour conclure, ceux qui, conscients de leur libre arbitre, parce que vous en avez un, choisissent volontairement de refuser la vérité. Ceux qui refusent consciemment de refuser la vérité endurcissant leur cœur. En fait, une opposition volontaire et persistante à la connaissance de la vérité. Un refus délibéré d'accepter la grâce, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Parce que Dieu envoie son Esprit Saint, même en Jésus-Christ, les œuvres qu'il a faites, il les a faites par le biais du Saint-Esprit. Et quand vous le rejetez, c'est l'Esprit Saint de Dieu que vous rejetez, par un refus donc délibéré. Hein? Donc, c'est votre refus, ce n'est même pas que... C'est quand vous refusez Dieu, on ne peut pas, Dieu ne peut pas vous accueillir quand vous le refusez. Hein? La question c'est, peut-on pardonner celui qui refuse le pardon? Donc en fait, même le péché impardonnable, c'est vous-même, c'est votre choix. Quand vous ne demandez pas pardon, quand vous rejetez la source du pardon, quand vous rejetez la source de l'amour, quand vous rejetez la source de la miséricorde, peut-on pardonner celui qui rejette le pardon? À vous-même de répondre. Que le nom de Dieu soit loué et que son Saint-Esprit nous couvre. Amen.